découvrir dans les coulisses du parc Disneyland, fermé au public, toutes les nouveautés, c'est-à-dire le Disney Illumination, un nouveau spectacle absolument magique, avec des projections sur l'emblématique château de Disneyland Paris, ainsi que les premières images de la nouvelle parade. Parade, oui, toute nouvelle, 7 nouveaux chars et puis bien sûr des nouvelles histoires, plein de nouveaux costumes pour tous nos copains, les personnages, Mickey et ses copains, nouvelle musique. Alors évidemment, vous avez Mickey, Minnie, Tic et Tac, Dingo, Donald, ils sont là parce qu'ils sont les incontournables que tout le monde attend. Et après, on est aussi ravis de raconter des nouvelles histoires, comme je pense notamment aux aventures de Nemo. Voilà, on a un char qui représente les fonds sous-marins, le courant australien, avec tous ces marionnettes aussi, Nemo, marin et Dory, qui sont représentés par des marionnettistes. Et puis après, il y a un incontournable, le blockbuster d'il y a 3-4 ans, La Reine des Neiges, qui est notre grand final. Anna et Elsa nous font l'honneur de pouvoir clôturer cette magnifique parade, et la reine Elsa va même créer une tempête de neige au-dessus des visiteurs. Donc ça, c'est le bonus de cette nouvelle parade. Tous ces gens ont l'air si Illumination est notre nouveau spectacle qui sera proposé aux visiteurs du parc Disneyland à partir du 26 mars. C'est un voyage qu'on proposera à nos visiteurs. Donc Mickey sera le protagoniste de ce voyage. Il nous amènera de tableau en tableau, d'histoire en histoire, et on va redécouvrir ensemble avec lui les plus grands classiques Disney, en passant par La Petite Sirène, Nemo, voir aussi des live action. Ce qu'on appelle live action, c'est des films Disney. Donc on va rentrer plus dans les films modernes comme Pirates des Caraïbes, Star Wars ou encore La Belle et la Bête. Ça te dirait qu'on aille se mettre un truc sous la dent? Allez, mets ta ceinture! Oh, mortel, mortel, ouais! On te suit, papa! Quel courant est-ce australien? Des projections sur le château. Qui est un peu notre scène, si on veut. Et avec la projection, on a aussi tout plein d'effets spéciaux qui viennent raconter cette histoire et qui nous aident à accentuer l'histoire qu'on raconte. Donc on va voir par exemple une quarantaine de fontaines avec des lumières intégrées. On va voir 15 générateurs de flammes, 10 big lights, c'est des grands projecteurs qui aident aussi à accentuer certaines actions à des moments. On va avoir des lasers, on va avoir tout plein d'effets spéciaux et bien évidemment la pyrotechnie. On a environ entre 560 et 600 effets pyrotechniques qui viennent aussi rajouter la touche de spectaculaire, on va dire, au spectacle. L'Illumination aura lieu tous les soirs à la fermeture du parc à partir du 26 mars, et c'est donc dans le cadre de notre festivité du 25e anniversaire. Et le spectacle durera environ 20 minutes.